Notre mission, notre devoir, c'est de continuer à faire vivre Charlie, même sans eux, pour eux, justement, et c'est ce qu'ils auraient voulu. Donc aujourd'hui, cette liberté a été perdue en France. Elle existe encore sur papier, mais faites-le à vos risques et périls, quoi, de dessiner le prophète. Et puis la presse internationale, elle, elle est aussi dans la même situation. Regardez le New York Times ou des grands journaux qui ont été d'une lâcheté totale sur cette question-là. Donc non, la leçon n'a pas été apprise, malheureusement. Il faudra encore la marteler et j'espère que le procès servira aussi à ça. Sincèrement, je trouve que c'est une atteinte à la dignité des musulmans. Ça a touché vraiment, ça a créé beaucoup de tensions entre les musulmans et les autres nations. Et je ne suis pas d'accord, sincèrement, je ne suis pas d'accord parce que c'est pas tout musulman est un terroriste. Hein. Et Charlie Hebdo, il a caricaturisé les musulmans comme... Il les a mis dans une case.